Bonjour à tous, on va commencer dans cinq minutes. Ok Lucas, eh ben on va pouvoir commencer par euh, ta question en attendant les autres. Euh... Donc oui, alors... Donc leur... pour l'audio sur IP, euh, on transporte les données audio par paquet. Donc c'est un, un réseau, c'est quelque chose qui euh, transfère les données sur le réseau par paquet. Et euh, le problème, c'est qu'on ne peut pas envoyer les paquets instantanément. Donc on va attendre de stocker x échantillons, puis on va les transporter sur le réseau. Dans les paquets, ils vont arriver un certain temps donné après au récepteur. Et euh, donc le problème sur le réseau, c'est que comme les paquets ne sont pas transportés de manière euh, déterministe, ni même envoyés de manière déterministe, c'est-à-dire que là on parle de packet spacing, en fonction des appareils, qui vont envoyer les paquets. Les paquets vont être strictement envoyés toutes les millisecondes ou alors envoyés approximativement toutes les millisecondes. Euh, la différence significative, elle se situe au niveau de la différence entre logiciel et matériel. Euh, la plupart des équipements qui sont à base de FPGA, typiquement, vont être très précis dans l'envoi des paquets. Euh, par exemple, chez, chez Merging, on arrive à envoyer des paquets toutes les 6 échantillons. Et avec euh, une très bonne précision. D'ailleurs, on va le voir aujourd'hui. Euh, je vais vous présenter un logiciel qui permet d'analyser ça. Malheureusement, dans le cas des logiciels qui font de l'audio sur IP, euh, ces logiciels. Se base sur la réactivité de l'Operating system et il y a très très peu d'Operating Systems qui sont capables de réagir à la milliseconde ou au quart de milliseconde pour envoyer des paquets précisément toutes les millisecondes. Donc c'est là où de temps en temps ben, l'Operating system va être à la bourre en retard et va pas être capable d'envoyer de, euh, ses paquets correctement et euh, donc c'est pour ça que au niveau du récepteur, et eh ben il faut un jitter plus grand, un jitter plus grand qui est capable d'attendre plus longtemps pour, euh, pour jouer l'audio. Donc l'exemple que je prends souvent, c'est mon fils qui reçoit le journal tous les jours, et je prends cet exemple parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens en France qui reçoivent le journal tous les jours, surtout en ces temps-ci. Et donc bien sûr, il le reçoit par la poste, et la poste est en ce est. La poste, c'est la merveilleuse euh, analogie au réseau. Les lettres arrivent tous les jours normalement, mais en fait pas du tout tous les jours. Donc de temps en temps, il reçoit deux journaux, de temps en temps, il reçoit zéro journaux, parfois même, il reçoit trois journaux d'un coup. Et donc la question, c'est comment je voudrais faire, moi, pour qu'il puisse lire qu'un journal par jour Eh bien, j'attendrai une semaine, je stockerai sept journaux, et, euh, et je lui donnerai un journal par jour, avec sept jours de retard. Donc du coup, lui, il a l'impression de pouvoir lire son journal tous les jours, mais malheureusement, à cause du... Jitter, en fait, du retard et de l'aléa dans les transmissions du courrier à la poste, eh bien, il reçoit ces journaux avec une semaine de retard. Donc c'est exactement pareil la différence entre Donc, le Jitter Buffer, ce serait ma capacité à attendre les journaux et à pouvoir en stocker 7 avant de les donner. Et, euh, et le Packet Spacing, c'est en fait le temps euh, entre l'arrivée de deux journaux. Donc, il peut être typiquement de trois jours puisqu'on a de temps en temps trois journaux dans la dans la boîte aux lettres en même temps. Voilà, Lucas, pour ta question. Euh, donc, ce qui nous fait commencer la session de ce matin. Donc, bonjour à tous. Euh, merci d'être là. Laissez-moi juste être impressionné par le nombre de viewers. Euh, voilà. Et, euh, et oui, on va parler de, de tout ça. Gardez vos questions pour la, pour la suite, mais on va essayer de, de vraiment euh, trouver vos questions, répondre à vos questions. Alors je dis on, mais en fait c'est moi. Euh, et, euh, et puis euh, donc hier, j'étais un, un peu stressé euh, par, la, par la première session, donc euh, vous m'excuserez pour les différents petits couacs. J'espère qu'aujourd'hui ça va se passer mieux. Ça a été bien. Euh, C'était euh, ça a été euh, enfin, ouais, mieux préparé. Alors, on y va. Donc, approfondissons aujourd'hui, allons plus loin et, euh, et continuons par réagir à la, à la question de Lucas qui suit. Donc, oui, donc, lose, packet spacing lose, lose, c'est-à-dire qu'il n'est pas strict, donc il est aléatoire en fait, qu'il est, qu est relâché loose, relâché, et donc pour un, pour un logiciel, ça veut dire qu'il peut être quelque part entre 1 et 17 millisecondes. Si on lit le standard AES67, on se rend compte que pour être AES67, un équipement ne doit pas attendre plus de 17 fois le, le paquet euh, euh, le paquet, le temps d'un paquet avant d'émettre un autre paquet. 17. Nombre magique. Ok. Euh, ce, que je voulais, ce que je voulais vous montrer aussi, tant que ça fonctionne, on verra combien de temps c'est dur. Alors, on va couper ça parce que je ne sais pas pourquoi il y a ça. J'ai fait une bêtise. Donc, pour faire une connexion AES67 avec Dante, on va tout de suite faire ça. Donc on va sur device info. Sur device info, on va cliquer sur notre appareil. Ici, on a une Xbox MD, c'est un appareil de euh, direct out. Voilà. Et donc sur cet appareil de direct out, on a un onglet AOS 67 config. Cet onglet AOS 67 config, il ne sera pas sur tous les appareils. Il sera exclusivement sur les appareils qui font de l'AOS 67. On va régler l'AOS 67 mode. On va y mettre sur Enabled pour euh, l'activer, ce mode AOS 67. Et euh, donc on va, on va régler ce préfixe-là que je vous ai montré, enfin que je, dont je vous avais parlé hier. Ce préfixe-là est important pour régler l'adresse IP. Du, euh, de, de, du flux que va recevoir l'équipement. Par défaut, c'est 69. Moi, je préfère 67. Vous allez savoir pourquoi. Euh, voilà. Donc, ça, c'est la préparation de l'appareil pour être capable de recevoir ou d'émettre les, euh, les canaux sur le réseau. Ensuite, ici, on peut créer des flux. Donc, je vais ici rajouter un nouveau flux. Voilà, un flux AOS 67. Et vous voyez que 1, 2, 3 et 4 sont les flux que je ne suis pas capable de mettre sur le dans des flux AOS 67 parce qu'en fait ils sont déjà envoyés en AOS 67. Donc dans un dans un équipement denté, on ne va pas pouvoir faire plusieurs flux AOS 67 avec les mêmes canaux. Donc là je vais me créer un autre flux stéréo avec les canaux 5 et 6. Voilà. Create et les gars 30 pourquoi 32 31 30 en fait euh, maximum avec iOS 67 en Dante, on peut créer au maximum 32 flux euh, donc ça décroît euh, quand vous arrivez à 1 c'est le dernier flux que vous pouvez créer donc quand vous, quand vous essayez de créer un nouveau flux et euh, eh ben ça ne veut pas en fait euh, j'ai jamais essayé mais j'imagine que ça ne veut pas donc 5 et 6 flux numéro 30 alors comment on va le trouver sur le réseau donc, comme hier, on va, se, on va se connecter aux pages avancées de nos équipements. On va créer un nouveau récepteur. Et on va aller là où ça commence par SAP. Voilà, SAP. Et on est ici Xbox MD30, celui qu'on vient de créer. Donc, on choisit. Voilà. Et tout se passe bien. Alors ça c'est un ancien firmware, donc il n'y a pas trop d'informations, mais ici on a l'information 0x10, receiving packets. au dirait 2 millisecondes. Donc ici on voit que pour un équipement denté, c'est un équipement denté qui va envoyer les paquets strictement à une milliseconde, parce que sinon on ne serait pas capable de les recevoir dans un buffer dans un, enfin, de 2 millisecondes. On voit les informations là. Et ici on voit le SDP. Donc aussi simplement que ça, je viens de connecter mon appareil denté en AES 67 à un Horus. Pour l'inverse, c'est relativement assez simple aussi, à partir du moment où l'équipement est capable de faire du SAP, ce qui est le cas du Horus, et que là, j'ai bien réglé mon adresse IP multicast avec le bon préfixe multicast ici. Une fois que j'ai fait ça, et que je vais lui donner un nom plus sympa pour le retrouver, donc pour Dante, voilà. Je retourne dans mon Dante controller. Je vais au niveau du routing et oh est arrivé ici mon, mon flux pour Dante. Et donc je suis capable de le connecter comme n'importe quel autre appareil Dante sur mon réseau. Voilà, tout simplement et ça marche. Et voilà. Et c'est donc, donc voilà, il, voilà une démo qui est censée qui marche parfaitement comme elle est censée marcher. Donc c'est la première fois que ça arrive depuis 24 heures. OK. Euh... Donc ici, on a fait la connexion de manière bidirectionnelle entre Dante et les, et les différents équipements. Et on voit que c'est vraiment là la force de Dante. C'est cette espèce de logiciel de contrôle qui va permettre d'avoir une vue globale sur le réseau et de pouvoir faire toutes ces connexions. Donc les flux AV67 vont s'afficher là au fur et à mesure qu'on va les créer. Et, euh, et par contre pour l'autre côté, donc pour sortir de Dante 67, là ben c'est directement sur le device, donc au niveau du device info. qu'on va créer avec ce petit bouton là qui s'appelle create a new multicast flow. qu'on va pouvoir créer le flux multicast qui arrive. Ok. Donc euh, on va retourner hop, dans notre petite présentation. Donc, l'interopérabilité, pourquoi, comment, et les limitations. En fait, donc, ce que je vous ai dit hier, pour ceux qui étaient hier, d'ailleurs, et pour ceux qui viennent qu'aujourd'hui, euh, bonjour, bienvenue, et il euh, n'y aura pas trop de référence à ce qui a été dit hier, et de toute façon, des... si, si vous n'avez pas assisté à hier, c'est que vous, normalement, vous devriez être capable de, de suivre très largement. Euh, l'interopérabilité, c'est un besoin d'intérêt des systèmes hétérogènes, et je vous ai dit, donc, c'est le problème de, j'ai une salle de concert équipée en Dante, j'ai un carré qui arrive, qui est équipé en Ravenna ou en Q6, ou j'ai un parc ATM et puis avec un système QSC, et puis derrière, je vais rajouter un système Dante, etc. C'est là qu'est la force de 67 Et bien sûr, le principe, c'est d'avoir, d'utiliser un dénominateur commun. Et donc le dénominateur commun, il est souvent très petit. Et ici, c'est un format pivot qu'on appelle un format pivot, donc qui est 48 kHz, 24 bits, 1 milliseconde par paquet, 1 à 8 Donc les flux AES67, le flux magique AES67, qui doit pouvoir être lu par tous les appareils AES67 à partir du moment où ils se réclament AES67, sont des flux de 48 kHz, 24 bits, 1 milliseconde. Et euh, pour rebondir au commentaire de Lucas par rapport au Pix, c'est exactement pour ça qu'on a qu'on a mis en place ce principe de Pix et de se Summary, c'est qu'il y a plein d'équipements qui savent faire plus que ça. Donc, typiquement pas denté pour des raisons qui leur sont propres, et c'est pas le sujet ici, mais effectivement, nous, chez Merging, on a beaucoup de gens qui sont intéressés par les fréquences des plus élevées que 48 kHz, et qui voient, oh, Dante fait l'AOS 67, donc ils achètent un denté pour faire du 96 kHz, ils achètent notre équipement, et ils voient que ça marche pas. L interconnexion parce que finalement Dante fait de l'AOS67 qu'en 48 kHz. Euh, alors, euh, Lucas, non, effectivement, c'est le flux est à 1 milliseconde. Par contre, euh, ça débouche sur un buffer qui va être de de 2 à 3 millisecondes. Mais le flux, c'est bien 1 milliseconde. Euh, donc voilà, donc, donc il faut faire attention à ça. Et il faut faire attention parce que du coup, un équipement en AOS67 va souvent avoir des limitations. Le premier, c'est qu'il ne trouvera pas forcément le flux des autres équipements AS67. Ça, c'est le principe de la, euh, de la découverte. Donc, en fonction des différents éléments qui sont. Euh, des différents protocoles de découverte qui sont implantés dans l'équipement, il va falloir au nom passer par un copier-coller à la main de ce fichier SDP que je vous ai montré avant. Enfin, de cet objet SDP que je vous ai montré avant. Alors, le truc, bien sûr, c'est que dans le T, typiquement, euh, encore eux, est. Encore une fois, je les cite parce qu'ils sont majoritaires sur le marché. C'est euh, absolument pas euh, personnel. Euh, mais euh, ben, dans, dans tes contrôleurs, on ne peut pas copier-coller le, le fichier SDP, mais on a des, des euh, logiciels qui ont été créés pour, pour réaliser ça. Ensuite. Euh, donc pas forcément capable de recevoir un flux hors du format pivot. Donc si vous voulez faire différemment que une seconde par paquet, 48 kHz, 24 bits, vérifiez avant que votre appareil est à le faire en av 67 Et euh, pas forcément en pleine capacité. Donc je vous ai montré encore cet exemple euh, de cet appareil que je voulais connecter avant, qui ne permettait pas de faire plusieurs flux avec les mêmes pistes. Donc la manière dont on va euh, créer les pistes sur le réseau. Fait, créer les flux sur le réseau et émettre les pistes ben, va devoir être euh, travaillé en fonction des capacités de l'équipement S67 dont on, on travail. Alors le but de la discussion d'aujourd'hui, c'est surtout de vous montrer le réseau. Le réseau, c'est-à-dire euh, comment on le débug, comment on travaille sur ce réseau, et quels sont les outils qui existent pour nous simplifier la vie. Parce que vous avez vu hier, euh, grâce à mes merveilleuses démos qui ne me fonctionnaient pas aussi bien que... Que d'habitude, euh, ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué, ça peut être très éreintant de travailler sur un réseau AOS 67. Euh, notre travail à Merging, et le mien en particulier, c'est de rendre ça plus simple. Donc c'est là que vous rentrez en, dans la boucle aussi, parce que les utilisateurs sont importants. Le retour de ces utilisateurs, le retour d'expérience de, pour arriver à cibler les différents problèmes qui existent. Donc, sur un réseau, la première chose, c'est de l'approcher comme un réseau classique. Donc, on choisit les composants en fonction des contraintes. Comme je vous ai dit hier pour les switches, il y a plein de switches qui existent et il n'y en a pas un ou l'autre qui est mieux ou moins bien en général pour aes 67 Alors, si, il y en a qui sont horribles parce qu'ils ne fonctionnent pas en multicast. Mais ça, c'est des switches vraiment très, très, très bon marché et qu'il faut éviter. Mais à partir du moment où on est sur une certaine gamme de, euh, gamme de switch, et, qui commence typiquement avec les, les Cisco euh, SG300-350, et après d'autres marques bien sûr, on n'a pas vraiment de problème opérationnel pour ce switch peut faire de la V67. Il peut en faire, mais il ne va pas en faire dans toutes les circonstances et avec toutes les, tous les besoins en performance qui sont liés à ça. Euh, tout, tout comme certains protocoles deviennent indispensables à partir d'une certaine taille de réseau. Donc, le protocole de distribution multicast que je vous ai montré, IGMP, aucun intérêt si vous avez 8 pistes de réseau, euh, 8 pistes sur votre réseau. Typiquement, vous avez un home studio, vous êtes en train de faire une prise de son avec 8 ou 16 pistes, pas besoin de se soucier du multicast. Vous pouvez lui Laissez le réseau le traiter comme du broadcast, c'est-à-dire le distribuer partout, il n'y a aucun problème, ça ne ça, ça mettra pas le réseau par terre, parce que ça va faire des streams de, de débit de l'ordre de 12, 16 Mbps, ce n'est pas, pas énorme. Par contre, au bout d'un certain moment, donc vous avez 64 pistes, 128 pistes, là vous allez travailler avec du multicast, donc de l'IGMP, snooping, euh, puis, vous allez avoir 2, 3, 4 switches. Là, vous voulez avoir un switch PTP, etc., etc. Et après, on peut encore trouver des mots plus compliqués. Donc, euh, on va vouloir faire du protocole independent multicast, du PIM. On va vouloir faire des sous-réseaux, du routage, etc. Ça, c'est pour les gros, gros réseaux. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, offrez-vous les... L'aide d'un véritable entre guillemets ingénieur IT, euh, qui sait ce qui fait à un niveau supérieur que juste euh, infrastructure euh, audio vidéo. Il y en a des très bons. Et bien sûr, c'est pas que un réseau informatique, c'est aussi un réseau de performance. Donc on va aller un peu plus loin que le que réseau informatique et on va essayer. De garantir la disponibilité des performances des switches à tout moment. Donc typiquement, la première chose à faire quand on prend un switch et qu'on faire de l'audio temps réel, voire du temps réel tout court dessus, c'est de supprimer le 3E, le Energy Efficient Internet. C'est un protocole qui réduit momentanément la bande passante du lien à juste ce qui est nécessaire et ça, ça va augmenter nos latences, ça va augmenter la possibilité de perdre momentanément un paquet, etc. Donc on ne veut pas. Et euh, bien sûr, user et abuser les redondances. Donc même si la... des erreurs dans les switches sont très rares et la défaillance d'un switch est très peu probable, et eh ben si on fait de la production en audio, évidemment on va essayer à augmenter, euh, ou diminuer, plutôt diminuer la probabilité que ce problème arrive, et donc euh, une manière de diminuer cette probabilité, c'est d'utiliser la redondance. Donc il y a plein de manières de redondance qui existent, je vous ai parlé hier de 22 7 qui est juste doubler le flux, doubler les réseaux, euh, après il y a tous les protocoles IT, STP, euh, pour Spanning Tree Protocol, qui permettent de Gérer automatiquement des, des, des trajets différents, différents pour les paquets en cas de, en cas de rupture d'un lien. Tout ça, ça existe. Encore une fois, si vous arrivez à vous poser ce genre de problème, c'est que vous êtes à un niveau où n'hésitez pas à demander de l'aide avec des personnes expérimentées là-dedans. Tout ça, c'est cette idée d'apprendre et tirer parti de l'expérience du monde IT. Euh, parce que l'audio, ben c'est qu'une fraction du marché des équipements réseau. Voire la vidéo aussi, hein, qu'une fraction du marché des équipements réseau. Euh, quand on voit les, les, les chiffres qui rentrent en compte, on on voit mal comment on pourra aller toquer à la porte de M. Cisco Et lui Ah, oh, on a fait un nouveau protocole, c'est totalement différent. On veut que vous mettiez ça dans les suites. » Ça marche pas comme ça. Donc on va utiliser tout ce qui est, tout ce qui est tout ce qui est disponible pour euh, pour essayer de garantir. Donc ces, ces fonctionnements temps réel. Euh, IT. Alors oui, pardon, IT, c'est Information Technology. Donc euh, c'est euh, tout, c'est la grosse boîte dans dont dont ce qu'on met, où on met tout ce qui est réseau informatique. Euh, donc typiquement dans les boîtes, euh, il y a le service IT, qui est le service du réseau, le responsable IT, l'ingénieur IT, qui sont, euh, qui sont en fait euh, chargés de tout ce qui a lieu. Euh, aux réseaux et aux, aux machines, euh, machine, euh, ordinateurs. Voilà. Alors on va aller un peu plus en profondeur dans ce qui a été expliqué hier. Il euh, y a quelques slides que j'avais mis de côté. Est-ce que ça, j'ai répondu à ta question, Pascal Je pense. Il ouais. euh, y a quelques, quelques donc, slides que j'avais mis de côté hier. Et qu'on va adresser tout de suite pour en parler. Euh, la première chose, c'est l'IGMP en configuration multiswitch. Donc, l'IGMP, euh, c'est très bien, mais ça nécessite d'avoir un point central de distribution pour, les, pour, le, pour le travail en multiswitch. Donc, typiquement, si j'ai un nœud qui envoie un flux, je vais devoir remonter ce flux jusqu'à la racine pour que la racine soit capable de le distribuer. Et dans cette branche-là, et dans cette branche-là, et dans cette branche-là, et dans cette branche-là du réseau. Donc, pour ça, il y a sur les switches ce qu'on appelle le router port qui va permettre d'envoyer tous les flux multicast qui arrivent à ce switch, de l'envoyer à son copain qui est en fait le, le switch de plus haut niveau directement connecté. Euh, voilà, donc ça c'est une architecture qu'on appelle de spine leaf. et euh, la seule chose à faire attention c'est au débit parce qu'évidemment. Ici, si j'ai 4 flux qui arrivent là, 4 flux qui arrivent là, ça peut faire 8 flux qui arrivent là, etc. Et donc, plus on remonte euh, au niveau des, des étages dans, dans les suites qui suivent, et plus euh, on, a, on a de débit. Donc, euh, en fonction des installations, il peut être nécessaire pour les derniers étages d'avoir des suites de 10 gigabits, typiquement, ou voire de 40. Euh, je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Donc, on va se connecter... Hop. un switch voilà Donc on va aller dans l'onglet de configuration multicast sur le mode avancé, voilà. Et ici, on a ce qu'on appelle le router port. Donc, le router port, vous pouvez essayer les modes automatiques, les modes automatiques qui vont permettre typiquement. Euh, je crois que c'est là, VLAN settings, euh, non, c'est là, interface settings, et eh ben non. Hop. IGMP snooping, voilà, le mode automatique, router port auto -learn. Vous pouvez essayer en auto. Euh, moi j'ai eu, eu et j'ai discuté avec des gens qui ont eu aussi beaucoup de problèmes avec les modes de découverte auto. Donc euh, si vous êtes sûr de votre infrastructure, de comment elle fonctionne, de comment elle est câblée, Optez plutôt pour les mode manuel. Vous savez comment c'est configuré, vous savez comment ça fonctionne. Et donc là, du coup, eh ben, c'est mon port neuf qui est connecté au switch en haut. Et, euh, et donc c'est par mon port neuf que je vais transmettre tous les flux multicast. Donc j'ai mon port neuf que j'ai réglé en multicast router port. Et on le voit là. Alors, je vais le mettre à jour. Voilà. En fait, j'étais sur le switch 130 qui est le RAID j'étais sur le red switch, et via le port 9, il est connecté au port 7 du route switch. Donc c'est via le port 9 que je vais transmettre tous les flux qui arrivent euh, vers le route switch. Alors ça, on peut le voir très simplement. Euh, par exemple, en regardant les flux qui sont là, euh, ouais, mais c'est celui-là, il en a pas, évidemment. Euh, alors, oh, 31. Voilà. -là. Voilà. Donc on voit ici que ce flux est reçu par tous les appareils, par des appareils sur, tout les, sur toutes les branches du réseau, et donc il passe forcément par ce, par ce flux, par ce flux route. Si je, dé, si je crée un flux additionnel euh, sur, ce, sur cette route. Voilà, j'en crée deux, soixante-six, soixante-sept, soixante Alors, je vais. Voilà. Donc, si je crée ce 67, sept que j'arrive là, c'est ici. Voilà. Donc, là, on voit que automatiquement, Peu Et ben voilà, les... donc vous avez vu que ça allait directement au route switch. Donc peu importe que le flux soit écouté ou pas, hop, on va vite enlever ça. Peu importe que le flux soit écouté ou pas, écouté ou pas euh, on, le flux est toujours remonté vers, vers le switch, donc toujours, être, toujours prêt à être distribué. C'est l'un des avantages de Ravenna que je vous disais hier, donc vous mettez à disposition des ressources sur le réseau. Ces flux, vous les mettez à disposition que quelqu'un les écoute ou pas. Donc ils sont prêts à être connectés, ils sont prêts à être distribués. Voilà. Alors PTP aussi, donc un, peu, un peu de détails sur PTP. Et on va faire une capture Wireshark pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne dans, dans les détails. Donc je l'ai dit, PTP envoie des messages sync régulièrement euh, du serveur vers le client. Et euh, ce message sync est très précis, dans les temps de départ et d'arrivée. Et pour le temps de départ, ça peut être compliqué d'avoir précisément ce temps-là, parce que le message va traverser différentes couches réseau. Et ces différentes couches réseau, euh, on ne sait pas trop combien de temps elles mettent pour transporter le message. Donc ce qui se passe, c'est que souvent, à l'endroit, à la dernière couche réseau, donc le fil, avant que le message soit envoyé sur, le, sur la ligne, quand le message part, son temps est enregistré, et le vrai temps est transmis par la suite dans un deuxième message. Et après, il y a une, il y a une discussion donc en ping-pong entre le maître et l'esclave pour évaluer ce temps de transit sur le réseau. Donc c'est ce ping-pong, c'est-à-dire que ça part du principe que le temps, de, le temps de transit est symétrique. Donc on prend ce temps-là, ce temps-là, on le divise par deux et ça nous donne une estimation du temps général que ben, le sync message a arrivé. Donc si je ressens un sync message qui m'indique midi 4, mais que je sais qu'il met 4 minutes à traverser le réseau, je vais dire, ben, en fait, il n'est pas midi 4, il est midi. Donc c'est tout l'intérêt de, de ça pour arriver à cette horloge la plus précise possible. Hop, 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 voilà, ouais, alors ah oui, évidemment, j'ai mal démarré mon Wire Shark, voilà. Donc là, j'ai mon interface de sondage sur le réseau et je peux lui, je peux lui euh, demander à Wireshark. Donc Wireshark, c'est un outil d'analyse de paquets réseau. Donc vous choisissez une interface il va enregistrer tous les paquets qui passent sur l'interface et après vous pouvez lui donner des filtres. Euh, tout ça, c'est. Ça, c'est la version de Wireshark qu'on télécharge directement sur le, sur le net. Hein. Donc, il n'y a pas de modification. Tous ces filtres sont dedans. Et il y a le filtre PTP. Et on voit que ces, tout, tout ça, donc les délais RESP, les délais REC de l'appareil, le sync message en PTPv2, sont envoyés sur une adresse multicast spécifique. 224.0.1.129. Et tous ces appareils répondent. Donc là, on a le 149, le 133, qui Répondent et on a aussi les sync messages. Donc, là, le sync message envoyé par l'appareil 149, donc celui lui le master. Et avec Wireshark, on peut voir tout ce qui se passe, tout, toutes les informations de ce paquet, y compris donc euh, l'identifiant de clock, le numéro de séquence, qu'est-ce qui est important pour le sync pas grand chose donc on voit le follow up qui contient en fait le timestamp voilà le precise origin timestamp donc en nanosecondes et euh, on devrait avoir un message d'annonce quelque part si on a la chance Ouais, je... Voilà un message d'annonce en V2 qui ici nous donne donc que c'est le 133 qui est le master euh, et qu'on a la priorité 1. Et ici, la priorité 1 c'est 3, donc c'est celle qu'on a réglé hier. Alors, Mathieu voudrait plus d'infos sur la synchro One-Step, Two-Step, bien sûr. Euh, juste avant, je voulais vous montrer, vous voyez ici, on a le PTPv1. Donc le PTPv1 qui vient du Dante, et, euh, et Dante qui est synchronisé sur, euh, sur le merging. Donc quand on va dans notre Dante Controller, et qu'on regarde les informations d'horloge, on voit que notre Dante, il est master en PTPv1, en fait en primary status euh, en clock Dante, donc PTPv1, mais il est esclave en AES 67. Donc c'est ce que je vous ai montré, c'est il y a un appareil de Dante, alors je n'en ai pas plusieurs sur mon réseau, euh, mais il y a un appareil Dante qui va servir d'intermédiaire entre la clock AES 67 PTPv2 et, euh, et la clock Dante PTPv1. Donc c'est pour ça que lui, quand il, a... quand il envoie son sync, il dit qu'il est. Grand Master par rapport au merging, c'est euh, est, est la cloque qui vient du merging et, euh, et qu'il est juste en fait euh, une sorte de bande à récloque, euh, est une bande c'est-à-dire une cloque intermédiaire et là qui permet de passer non pas entre des sous réseaux mais qui permet de passer entre des protocoles. Voilà. Alors oui, donc euh, think et follow up. Alors think and follow up. Euh, on a, ben, on a là, voilà de sync follow-up. Alors comment ça marche Donc effectivement, c'est one step, two step, c'est lié à ça au sync follow-up. En one step, typiquement, on va avoir soit une précision dégradée, soit du matériel euh, réseau de très très bonne qualité, qui va permettre de time en fait redater les paquets exactement quand ils partent. Donc quand le paquet part, il part avec la, le vrai temps de, son vrai temps de départ. Donc ici, on a origin time Tamp. C'est là, en fait, les informations du temps de départ du, du paquet. Malheureusement, ce temps de départ, ce n'est pas forcément le vrai. D'accord Ce n'est pas forcément celui qui est au, auquel le paquet est réellement parti. C'est pour ça qu'on a la possibilité d'avoir un two-step et, euh, et d'indiquer le temps réel de départ du paquet. Alors là, on peut voir entre les deux. Donc, les secondes, normalement, c'est les mêmes. Donc là, on finit par 712. Là, on finit par 712. Par contre, les nanosecondes, là, on est donc en 567 707, Et là, en fait, on est parti à euh, 127 519. Donc, en fait, on est plus que euh, une milliseconde de différence. Là, on est à 356 millisecondes. Et là, on est à 285. 283. Donc, vous voyez, en fait, il y a 70 80 millisecondes de différence. Entre le origin timestamp du, du, follow, du follow up. Ah oui, non, mais c'est pas, pas je ne regardais pas les bons. <laughs> Donc, euh, 241 007 et là, euh, 567 707. Donc, c'est 240 euh, microsecondes. Voilà, c'est un peu plus logique. Donc, il y a 240 microsecondes de différence entre. La précision du sync et la précision du follow-up. Le sync message étant envoyé avec le redatage de son temps d'envoi, il va traverser les différentes couches réseau, va, arriver, va être parti en fait avec un temps de retard différent, et ce temps de retard est corrigé dans le follow-up. Donc le follow-up indique le temps réel de passage du voilà. Euh, ouais, alors c'est donc, donc des nanosecondes, mais là c'est des milliers de nanosecondes, donc 241 707 et, euh, et 826 000, donc en fait ça fait 600, euh, 600 et des poussières, 600 microsecondes, euh, 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 300 et des poussières microsecondes, quelque chose comme ça. Bon, il faut voir. En tout cas, euh, mis à part le les maths faire la, faire la volée que j'arrive pas à faire ce matin, euh, C'est le principe de fonctionnement one step to step. Donc, après, pour continuer sur PTP, il euh, y a des choses très intéressantes aussi qu'on peut regarder. C'est le switch qui est PTP. Donc, j'en ai un, un switch PTP. Alors, pareil, ce n'est pas. Euh un sponsor de la vidéo ou quoi que ce soit, il se trouve que c'est un switch que j'aime bien moi pour mes petites expériences parce qu'on peut le configurer d'une manière très précise. C'est pas forcément un switch que je, que je recommande à tout le monde, surtout pas si vous êtes si vous voulez faire une install et, et rapidement parce que c'est pas forcément le switch le plus facile à configurer. Mais c'est un switch qui a un mode PTP donc auquel on peut rajouter une nouvelle, une nouvelle horloge PTP et on peut lui dire certains modes, donc ordinary bound, donc euh, ça veut dire que c'est une horloge euh, une horloge intermédiaire, une bande à on peut le, le, lui dire d'être une horloge transparente clock donc transparente clock c'est à dire que elle va juste corriger le temps de passage du paquet, donc on va essayer tiens, de, faire, de la mettre en transparente clock voilà alors on va Régler un peu, les... est-ce que je crois, oui, voilà. Donc, il y a plein de choses à régler. Donc là, IPv4, multicast, euh, voilà. Et tout. Donc ça, ça devrait fonctionner, voilà. Ensuite, euh, on va retourner sur Wireshark Alors si euh, Patrick en V1, il y a des follow-up. C'est bien ici, là, on est en V1 et on a et on a un follow-up. Ce qu'il n'y a pas en V1 c'est les annonces et des capacités unicast, etc en fait que V1 est légèrement plus réduit au niveau des fonctionnalités en termes de précision c'est grosso modo la même chose je crois ah oui en V1 il n'y a pas le s'il a pas le calcul du du transport sur le réseau je crois ou en tout cas je vois pas on a changé des choses sur le réseau donc on va vérifier que tout se passe bien d'accord on euh, on va refaire une capture on va aller sur le PTPV2 follow up message voilà et là normalement non on a une... en fait le transparent coq fait que on va on va rien voir euh, si, si, il y, a des, il y a des domaines en V1. Il y a des domaines en V1, euh, ils sont légèrement différents du. Euh, euh, ça, c'est Sync. Je crois pas qu'il que le domaine est indiqué en Sync. Euh, il ouais, faut voir. Peut-être pas, c'est vrai. Bref. Donc, quand on est en mode transparent, on va, on va rien voir dans les paquets. Ou alors, on va voir des, des informations dans le champ de correction. Alors là, on ne on les voit pas. Donc, euh, ça veut dire que le switch modifie probablement les temps du paquet. Euh, ici, là. Alors, ça, c'est du plein du sync, le sync en V2. Voilà. Ouais. Donc, il, il change sûrement les... Paquet, les, les données euh, directement dans le paquet. En tout cas, c'est un, un mode de fonctionnement qui est possible du switch, donc transparent coque, qui permet de <coughs> diminuer le, le, les aléas temporels de traversée du paquet dans le switch. Donc le paquet dans le switch, pareil, il va être mis dans des fils d'attente, on ne sait pas trop quand il part, etc. Donc euh, ce, que faire, ce que fait le switch, c'est que il va mesurer le temps entre l'arrivée et le départ et les réduire de ça au moment où il envoie le paquet donc ça c'est des c'est des euh, choses assez assez complexes qu'on ne retrouve pas sur tous les switches et qui sont pas forcément nécessaires tout le temps et là vous voyez que typiquement ah bah pour ce switch là oui bah d'ailleurs ça c'est sûr que je ne pas voir grand chose si j'avais pas mis les différents ports dans ma configuration donc ça c'est un switch où il faut bien être sûr de tout configurer donc euh, c'est assez compliqué voilà on recommence la capture voilà et ça change rien du tout ah si voilà donc là on voit le cycle message il, il part maintenant avec une correction de 232 nanosecondes, donc c'est ces 2032 nanosecondes. Donc ces 2032 nanosecondes sont en fait le temps de correction qui n'était pas avant, si vous vous souvenez bien, qui a été rajouté par le switch au passage euh, dans le paquet. Voilà, parfait ce mode transparent de code qui fonctionne bien sur le switch. Hop, voilà. Alors oui, c'est ça, exactement Gaël, le mode transparent clock va amoindrir le, le jitter euh, en, gardant cette, euh, en gardant cette topologie réseau où il euh, où y a le dialogue direct avec le master. Alors il y a le mode transparent clock end-to-end -end et peer-to-peer. End-to-end, c'est dialogue directement avec le master, et peer-to-peer, c'est donc ce, ce temps-là de, de traverser du réseau, je vais le demander seulement au switch. Donc, ce sera le dialogue entre l'appareil et le switch, ou en tout cas le transport de coque le plus près. Et ça, ça permet d'une part de décharger le master de ça, parce que s'il y a 5000 équipements sur le réseau et que le master doit répondre à 5000 équipements, tous les, toutes les fractions de seconde, quel est ce temps-là, il va, il va exploser. Et ça permet aussi d'être résistant à des changements de topologie sur le réseau. Donc, typiquement, si mon chemin change avec le master depuis le switch, eh ben au niveau du au niveau de l'appareil les temps ne changent pas parce qu'ils sont corrigés directement avec le switch euh, one step et two step alors oui il y a une différence de bande passante mais non elle n'est pas significative euh, donc on a vu c'est des paquets de, de l'ordre de 100 octets qui passent sur le réseau 100 octets euh, maximum 16 fois par seconde ça fait 1600 octets par seconde ça va on est donc euh, à vue de nez à un 500 millième d'un gigabit, quelque chose comme ça. Donc euh, c'est c'est pas énorme et euh, ça ne mettra pas votre réseau à votre réseau à, 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 à genoux. Au contraire, je vous conseille plutôt d'utiliser le two step, le deux step par défaut, euh, parce que en one step, donc non seulement c'est moins précis et, euh, et en plus il y a certains appareils qui ne vont pas forcément euh, euh, oui, oui, et donc euh, le end-to-end -end va surcharger le master PTP. Alors attention, surcharger quand il y a beaucoup de clients. Hein. Donc euh, on parle de beaucoup de clients autour de 20, 30, 40, 50, et ça dépend du master aussi. Donc euh, si vous avez une petite, piste, une, une petite puce sur votre appareil qui fait deux canaux et que vous, avez, et que vous, vous, vous voulez qu'elle joue le rôle de master PTP, ouais, ça va être un problème. Si vous avez, un, si vous avez un, un appareil un peu plus costaud qui, qui va faire office de master PTP, celui-là va pouvoir en gérer beaucoup plus. Et après, il y a bien sûr les masters dédiés. Donc comme vous avez des cloques AOS 3 dédiées euh, sur vos installations, ou certaines de vos installations, dont j'ai déjà vu moi, et bien vous pouvez avoir une cloque PTP dédiée. Et euh, aujourd'hui, les, les fabricants de clocks font même les deux, hein, des cloques PTP qui vont générer une coque euh, AES 3 en parallèle ou qui vont synchroniser sur un AES3. Donc euh, tous ces équipements de master dédiés qui vont être donc plus résistants et capables de gérer plus de clients, plus d'esclaves existent déjà et, euh, et c'est effectivement des, euh, une bonne solution pour, euh, pour les réseaux importants. Voilà. Et enfin, le RTP. Donc, je vous ai dit, nos paquets ils traversent le réseau. Le problème, c'est qu'on sait quand ils rentrent du réseau, on ne sait jamais quand ils sortent. C'est comme ça qu'a été défini le réseau dans les années 70. Ah oui, c'est vrai. Il euh, y avait une question sur les, sur les profils de clock aussi. Donc, on revient et puis, euh, et puis je ferai ma petite histoire d'RTP plus tard. Euh, donc, il y a plusieurs profils de clock en PTP. Euh, ces profils de clock, donc typiquement pour euh, reprendre les pics, c'est le, le 1588, 15, c'est-à-dire le profil défaut PTP, le profil AOS 67, il y a le ST 2059. En fait, ces profils PTP vont apporter des contraintes sur euh, comment sont réglés les différents paramètres de l'horloge PTP. Donc, comme paramètre, il y a la fréquence des annonces, donc la fréquence de combien de fois le master dit qu'il est master avec ses paramètres. La fréquence des syncs, donc combien de fois le master va distribuer l'horloge sur le, sur le réseau. Et la fréquence des requêtes euh, au master, donc combien de fois le master va accepter que le client lui demande euh, le, le temps de trajet sur le réseau par seconde. Évidemment, plus ces temps sont fréquents, euh, plus on va être précis sur le réseau. Mais potentiellement, et ça c'est la remarque de, de Philippe, euh, on va potentiellement surcharger, pas forcément la bande passante, mais plutôt les équipements sur un réseau. Il euh, y a certains équipements qui vont être capables de gérer euh, 8 syncs par seconde, il y en a qui vont être capables de gérer 64. Et euh, le problème derrière aussi, c'est qu'il y a des algorithmes de d'estimation de clock, parce qu'il faut, il faut filtrer tout ça, etc. Et il y a des filtres qui sont ben, réglés euh, finement. Pour certaines fréquences et qui, quand on augmente la fréquence, eh bien, partent totalement en live et deviennent totalement instables. Donc, ces profils sont faits pour essayer d'avoir une base commune de travail et, euh, et de gérer aussi certes, certaines limitations. Donc, typiquement, le profil ST2059, ce qu'il fait, c'est qu'il s'assure que quand il y a des messages de management PTP, donc des informations annexes qui sont transportées par le PTP Pour le 2059 c'est typiquement le, le, time, le, time, euh, le temps vidéo. J'ai oublié le nom, mais euh, donc le temps vidéo est transmis aussi par le PTP. Et ça, ça, ce profil évite que tous les clients répondent par un message. Ah oui, c'est bon, j'ai reçu ce, ce message-là. C'est quelque chose qui va se faire de manière silencieuse. Donc, c'est un peu principalement sur ces zones-là que vont gérer les profils, mais absolument pas sur la capacité de l'horloge à, à, à transmettre. À, alors, non, il, il va concerner le Grand Master et certains clients. Il y a certains clients qui vont s'auto-synchroniser sur les paramètres du Grand Master, et il y a certains clients qui vont demander de les mettre à la main. Euh, donc quand on reprend notre petit appareil merging, hop, il est là. Là. Lui en PTP, on peut tout régler. Régler tout ce qu'on enfin régler la plupart la plupart des paramètres. Et on peut régler la prépart des paramètres à partir du moment où il passe en master. Parce qu'en fait, quand il est en Skype, il va essayer de se synchroniser sur les différents paramètres du, du Grand Master. Mais il y a certains autres appareils dont je ne montrerai pas ici, mais c'est une entreprise, une entreprise allemande très présente dans le broadcast qui a un logo bleu. Où il y a certains appareils où il faut régler manuellement les paramètres PTP pour qu'ils soient exactement en, 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 en écho avec ceux du master. Ça peut sembler être compliqué, mais en fait, c'est plutôt une sécurité. Parce que du coup, quand le master va changer, si le client se rend compte que ce n'est pas un master qui est proprement co configuré, il va pas se synchroniser dessus. Et en termes d'infrastructure, c'est très intelligent parce que si c'est des équipements qui sont pas souvent corri qui sont pas souvent euh, enfin qui sont sur une infrastructure qui bouge pas, c'est mieux d'avoir un maximum de réglages manuels et, et le minimum de réglages automatiques pour être sûr qu'on contrôle n'importe quelle modification de l'infrastructure. Euh, je pense que j'ai répondu à ta question, Gaël. Voilà. Et euh, j'avais répondu aussi à la question sur les. Ouais, ben c'était égal aussi, c'était ta question sur les, sur les différents profils. Ok, donc RTP. Donc, oui, je vous ai dit, le, le, le problème du réseau, c'est qu'on envoie des paquets sur le réseau, on ne sait pas quand ils arrivent. Et la plus forte raison avec UDP, on n'a pas d'accusé de réception de ces paquets-là. C'est comme ça que fonctionne le, le, le protocole UDP, ça permet d'avoir les paquets qui traversent le réseau le plus vite possible, mais on ne sait toujours pas quand. Donc, on a rajouté au-dessus du niveau UDP, on a rajouté le protocole RTP qui a été euh, publié en 1995 ou 1996, je crois, et qui dit en gros euh, eh ben, on va rajouter des identifiants aux paquets qui vont nous permettre de placer dans le temps. Donc, avec un timestamp, mais aussi un numéro de séquence. Donc, on va avoir les paquets. Avec un numéro, on va donc envoyer le paquet 1, 2, 3, 4. Et comme ça, quand on les reçoit, on va pouvoir détecter si les paquets sont dans l'ordre et à quel temps ils correspondent. Et ça, c'est très important euh, et ça va permettre à notre, euh, notre appareil AV67 de jouer l'audio exactement au temps auquel il est censé le jouer. Donc le timestamp correspond à, au numéro d'échantillon depuis le 1er janvier 1970. Donc depuis le 1er janvier 1970, on a ce compteur virtuel qui s'incrémente 48 000 fois par seconde pour des 48 kW et qui permet donc de placer ces échantillons dans un temps absolu. Et donc quand on va les jouer, typiquement encore une fois sur Moorus, lorsque je vais jouer ces échantillons, en fait je vais les jouer au temps qui est marqué dans le timestamp plus la valeur de ce qu'on appelle le délai. En fait ce délai... Alors, vous voyez, bon. On va changer la fréquence de Voilà. Et on va revenir, on faire ça. Voilà. Ah, désolé. Bon, en tout cas, euh, là, on voit que le playout delay, donc le temps de lecture de du flux c'est 64 échantillons donc on, on, on lit le flux exactement 1,3 millisecondes plus tard après que le flux a été capturé sur la première appareil et on connaît ce temps parce que justement on transporte les, écha les temps échantillons dans, euh, dans ces paquets là et les paquets les paquets RTP sont assez importants parce que ça ils vont vous permettre de euh, ils vont vous permettre de pouvoir encore une fois avec Wireshark faire des faire des analyses de paquets Voilà. Donc là j'ai tous mes paquets RTP qui alors, certains paquets RTP qui passent sur le réseau. Donc on voit qu'il y a différentes adresses multicast. Par exemple cette adresse là, je vais pouvoir la filtrer ici, 239.2.1.160 voilà. Donc là, je vois que mon numéro de séquence s'incrémente correctement. Donc 72, 73, 74, 74, 76. Et que entre deux incréments de numéro de séquence, j'ai ici 24. 24, 24, 24. Donc j'ai 24 échantillons par paquet qui partent de mon, de mon appareil euh, qui a l'adresse.40.160 qui est en fait un Z-Man. Qui est le. La petite carte audio sur IP euh, OM qu'on qu qu fournit pour des intégrateurs tiers qui veulent rendre leur appareil compatible avec Ravena AES 67. Donc avec ça, je peux aussi décider de faire des analyses. Alors je peux faire des analyses sur, euh, sur Wireshark, mais pourquoi faire les analyses sur Wireshark Je peux aussi faire mes analyses avec des outils spéciaux conçus par des gens qui, comme vous, comme moi, utilisent le réseau et les médias beaucoup plus largement et c'est le cas de l'EBU donc les pauvres euh, j'ai appris que le concours de chansons a été supprimé cette année c'est dommage euh, ils ont fait donc ce qu'on ce qu'ils appellent le liste le... Euh... Je, sais plus, je sais plus je sais plus je sais plus je sais plus à quoi ça correspond Live IP Software Toolkit, ouais. et qui permet de faire des analyses des différents flux. Donc vous capturez un flux, là j'ai déjà préparé mon truc, donc vous capturez un flux, et dans ce flux, il vous fait une analyse complète. Donc des différents flux qui existent, et, euh, et par flux, il va vous permettre de faire une analyse sur les caractéristiques de ce flux, et voir si ce flux est capable de répondre aux exigences ici euh, du... Euh, de, du GTNM testé, en fait c'est le flux que j'ai que j'ai envoyé pour les tests de de, de compatibilité euh, ST2130. Donc on voit que delta entre les paquets RTP, donc entre 125 et 166 microsecondes. Donc ça c'est le temps entre les paquets. Donc on voit que là c'est relativement euh, relativement strict. Euh, et puis ici le le delay factor, c'est-à-dire le temps entre justement quand cet échantillon a été enregistré et quand il arrive sur un réseau. Voilà. Et on voit même les normalement alors pour le player, c'est pas intéressant mais euh... les graphes de paquets RTP donc comment comment ce paquet évolue dans le temps et euh... on peut savoir aussi donc s'il y a des paquets perdus. Donc ça euh, oui, vrai, EBU List, c'est marqué, c'est marqué là. <laughs> et c'est un petit, c'est un petit logiciel. Alors, c'est pas forcément très simple à installer. Euh, faut Il savoir, faut, faut savoir utiliser des outils approfondis en termes d'IT, justement. Mais une fois que vous avez fait ça, et ben, typiquement, je pense à, je crois qu'on a des gens qui nous regardent de France Télévisions. Euh, si euh, vous, installez, vous installez ça sur votre réseau sur une machine et vous l'utilisez vous pouvez l'utiliser à plusieurs donc vous pouvez demander à votre vos ingénieurs informaticiens de, de vous installer ça c'est très bien, c'est vraiment très bien permet de, faire, permet de faire des bonnes analyses et et typiquement, quand vous avez un problème sur le réseau, que vous ne savez pas d'où ça vient, ben vous faites une capture, vous la donnez à manger, à playlist, et puis, euh, et puis ça peut vous, vous remonter des informations intéressantes. Euh, on, peut faire, on peut essayer de le faire ici. Donc, euh, je peux enregistrer ce flux. Je vais enregistrer... Euh, allez, euh, 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 du... De... voilà ensuite je vais sur la page de mon serveur voilà. Ensuite je peux donc lui passer une capture voilà. donc il va l'analyser Voilà. Donc ça met un peu de temps parce que c'était une grosse capture. Il y a beaucoup de, de choses différentes sur le, <coughs> sur le réseau. Et donc il, il a détecté trois erreurs. Alors on, va, alors on va voir. Donc là, il y a donc plein de flux. Il y en a qui sont compliants, d'autres qui sont pas compliants. On va pas aller dans les détails parce que j'ai pas envie de pointer euh, des constructeurs sur le réseau qui pourraient être... Euh, qui, qui pourrait être de ce... Bah, typiquement, oui, il y en a un, par exemple. Mais euh, c'est pas le but. Le but, c'est, vous voyez, il y a différents... Euh... On, on voit vraiment ce qui se passe sur le réseau, comment c'est disséqué. Et on peut exploiter ces informations pour, euh, pour faire du diagnostic. Ok. Voilà. Alors, donc déjà... Du coup maintenant ce qui nous intéresse c'est de pouvoir faire ces connexions parce que je vous ai montré plein de choses mais c'est relativement difficile. Difficile, en tout cas pas forcément difficile, mais euh, on va dire euh, pas évident. Donc le premier outil, c'est Raf2Sap. Raf2Sap qui va vous permettre de faire ces annonces SAP pour Dante. Pour transformer le... En fait, pour aller sur un niveau intermédiaire entre Dante Contrôleur et Dante Domain Manager. Pour être capable de rentrer les sdp à la main quand vous faites les connexions donc euh, cet outil raf tout ça va faire les annonces ça à partir soit de flu ça c'était euh, pour euh, la belle année 2015 où euh, on a vu pour la première fois des appareils dentés en preuve et euh, et où il y avait encore quelques constructeurs qui n'avaient pas introduit le SAP dans les équipements. Donc ça permettait à tous ceux qui avaient un appareil Ravena de faire les annonces SAP automatiquement. Et puis là aussi de rajouter à la main en fait certains, certains fichiers SDP, donc de faire des annonces SAP à partir d'SDP copiés à la main. Donc ça c'est un outil magique qui va de pair avec Dante Controller si vous voulez faire de la 67 sur Dante. Euh, ensuite il y a Wireshark wireshark, évidemment, euh, qu'on a déjà utilisé maintes fois et qui, euh, qui est très puissant, mais aussi très compliqué. donc, euh, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, et on voit bien que c'est vrai avec list, de l'ebu, c'est si vous utilisez wireshark, vous, en tant que utilisateur final de ces technologies là, c'est que nous, en tant que fournisseurs de ces technologies là, on a loupé le truc. il manque une fonctionnalité dans nos outils pour que vous puissiez travailler. Donc, <coughs> faites usage de mon adresse email euh, ou vous, des adresses email de support euh, chez Merging ou chez n'importe quel constructeur. Je veux dire, ne prêche pas pour, ma, pour mon église, mais je prêche plutôt pour, pour nous, pour les constructeurs qui essaient de pousser à OS67. Si vous avez un problème lié à ça et que vous avez utilisé Wireshark pour trouver l'origine du problème, envoyez-nous des infos euh, qu'on puisse euh, mettre à jour nos outils, qu'on puisse euh, vous fournir le plus possible des outils qui correspondent à comment vous les utilisez et à surtout comment vous utilisez le réseau. Parce que finalement on n'est plus sur des problèmes d'outils où il va manquer une fonction euh, parce qu'on est en train de faire quelque chose de particulier sur un logiciel, mais c'est un problème de système. Et euh, les problèmes systémiques sont beaucoup plus difficiles à définir. Et c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur ces problèmes systémiques de manière incrémentale avec le retour des... Le, le retour des utilisateurs. Donc on a vu liste. Donc je vais mettre je vais mettre à dispo cette présentation dans les liens, euh, dans les commentaires YouTube et, euh, et comme ça vous aurez les liens et toutes les informations euh, à la fois de hier et aujourd'hui. On va voir PTP traquante. Donc pour faire des a, pour faire des analyses PTP voilà. pour faire des analyses PTP, ce qu'on peut faire c'est on peut utiliser un Outil de Meinberg. Meinberg qui est un fabricant d'horloges euh, pour réseau et qui va lui analyser tout ce qui se passe en PTP sur le réseau. Donc encore une fois, il faut, il faut voir un peu euh, comment on est branché sur le réseau. Mais donc il va analyser les paquets, il va analyser les différentes Grandmasters. Et donc on va, là par exemple, on a un Grandmaster Merging qui a l'adresse 133, c'est celui d'avant en fait, hein, c'est toujours le même. Euh, on voit tous les appareils qui sont esclaves. On voit qu'on a une bande de qui est le Audinate. Bah oui, ça tombe bien puisque c'est exactement ce qu'on a vu avant. Le bondinet qui va être une bande de en, entre V2 et V1. Et on a encore une bande de clock une autre qui est le Lavo 1.140. Alors, ça, c'est un appareil Lavo que j'ai sur mon réseau qui sert de bande de Bon, parfois, les appareils ne sont pas, sont pas très bien. Analyser ou se déclare pas correctement, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ça. C'est donc vous avez les événements qui se passent sur le réseau. Donc euh, comment se passe que PTP Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui change pas Qu'est-ce qui qu'est-ce qui apparaît Et vous avez cette euh, topologie PTP qui, qui apparaît aussi de, de ce côté là. Donc ça, c'est un appareil très important, un logiciel très important pour euh, ce débogage PTP, pour savoir ce qui se passe. Oui, alors, Lucas, on peut avoir autant de bandes qu'on veut, soit en parallèle. En fait, ça, ça, ça dépend vraiment de la topologie. Euh, le truc de la bande et clock, c'est qu'il y a un port qui est esclave et un port qui est maître. Donc, il y a une isolation des, des branches réseau en termes de PTP. Et, euh, et c'est ça le principe de bander à clock. Donc, on peut en avoir autant qu'on veut. Et on peut même en avoir, donc, euh, c'est le cas entre domaines ou entre, ou entre versions de PTP. Euh, voilà. Par contre, évidemment, donc la bande d'arrêt clock en tant qu'esclave, je ne vais pas voir les bandes à la clock. Ce que je vais voir, c'est un master et ce master va être la bande à la clock. Donc ça dépend de quel point de vue on se place, mais du point de vue du euh... alors, le bande à la clock c'est V2 vers V1, c'est un des cas de bande à la clock et là, effectivement, on va en avoir qu'un parce qu'il n'y a pas de sens à en avoir deux, effectivement. Euh, après, le, le band a donc peut être aussi entre différents, euh, entre différents domaines PTP ou entre différentes branches du réseau. Donc, comme dit, euh, pour décharger le master de tous ces clients qui, lui, qui le pingent et le harcèlent de, de chercher des informations, et ben, euh, on va pouvoir utiliser des band localement pour euh, que certaines parties du réseau ne harcèlent pas directement le master mais harcèlent le switch qui est fait office de band donc effectivement, comme, comme ta question suggère, oui, entre V2 et V1, on va avoir qu'une seule bande clock. Euh, le contraire serait compliqué. Mais entre. entre bah, on va avoir d'autres types de bande beaucoup plus beaucoup plus fréquemment. Voilà. Ensuite... Ensuite on a euh, des initiatives, j'ai un ami qui appelle ça des initiatives, qui permettent de se rapprocher ou de dépasser, ça dépend de quel point de vue on se place, quand on se place du point de vue du principal développeur, euh, c'est-à-dire votre serviteur, on essaye de dépasser la chose, mais c'est difficile, il y a beaucoup de travail, euh, c'est un très bon logiciel qui est dans tes controller Et donc on a Aneman. Aneman qui permet de faire qui est le Dante Controller iOS 67, mais c'est très prétentieux, euh, parce que, évidemment, Dante Controller a ce gros avantage que tous les appareils Dante utilisent le même protocole, y compris de contrôle, ce qui n'est pas du tout le cas en iOS 67. Donc là, je m'intéresse qu'aux appareils merging, parce que c'est ce qui marche le mieux avec Aneman. Avec euh, on peut contrôler d'autres appareils. On a Directout qui est assez, euh, assez actif sur le fonctionnement avec... Euh, avec Aneman. On a aussi d'autres constructeurs. Euh, si vous avez un besoin lié à ça, euh, le mieux c'est de rentrer en contact directement avec nous. Je vais vous montrer une petite démo avec euh, avec Lavo, mais euh, ça n'a pas forcément très bien marché. Parce que c'est encore en développement. Donc vous voyez, on a ici les entrées, ici les sorties. On a cette table de, on a cette table de routage. Et euh, on peut faire une table de routage d'une manière... Euh, Qu'est-ce que je peux connecter Je peux connecter ça. Donc, on peut faire cette table de cette table de routage euh, appareil par appareil. On n'est pas obligé d'avoir tous les appareils tout le temps sous les yeux. Et là, on voit, bon, le problème, c'est qu'il y a des fréquences d'échantillonnage qui ne sont pas les mêmes. Alors, ce qu'on peut aussi faire avec avec euh, Aneman, c'est qu'on appelle les sample rate zones, c'est-à-dire des zones où on va contraindre la fréquence d'échantillonnage à être celle d'un master qu'on choisit. Alors, ça peut être n'importe quel master, c'est pas forcément un master PTP. Voilà. Donc là, vous voyez, ça passe en rouge parce qu'il y en a un qui ne veut pas passer en 48 kHz. Donc ça nous indique quand il y a un problème. Parfois, ça n'arrive pas à le résoudre. Et si ça n'arrive pas à le résoudre, on le met de côté, tant pis. Et donc on peut faire des connexions entre appareils qui ont la même fréquence d'échantillonnage. Donc on tire. On fait des connexions. Euh, ah ouais, non, mais c'est pas. Ça, il faut éviter. On va faire entre les deux Russes. Hop. Voilà. Donc, on peut faire la connexion directement en Ici. Et donc vous voyez qu'il va m'indiquer directement quand quelque chose, quand c'est pas possible de faire une connexion, c'est rouge. Donc il me dit output is already ici. Là. On reçoit déjà une, un flux, donc on va se mettre sur le côté. Voilà. On peut faire la connexion en multicast ou unicast. Voilà, ça disparaît le temps que la connexion se fasse et ça réapparaît correctement. Donc, d'abord en erreur parce que ça commence, ça s'initialise et puis après, voilà. Alors, Philippe, est-ce que Hanneman détecte les produits NMOS euh, C'est prévu. On a un projet comme ça avec un broadcaster euh, français. Euh, il faut voir comment, ça, comment ce projet-là euh, se concrétise. Et euh, ça pourrait devenir une réalité. Alors, pas forcément dans la version free. Donc, Aneman, Aneman est un outil gratuit. Euh, C'est pour ça qu'on demande... Et, et qui, en fait, demande à ce que chaque constructeur fasse cet effort de rendre son produit compatible avec Aneman. Par un système de plugins. Donc, on a ici euh, différents plugins qui existent pour Aneman. Voilà. Donc, on a le directeur, on a le Nexus de StageTech, le producteur, le Art tribe etc. Donc, différents produits qui existent et qui sont déjà compatibles à Neman. On en a plus qui sont, euh, qui sont prévus dans le futur. Et euh, voilà. Et, et donc, pour Anmos. Comme c'est un usage nettement plus broadcast, euh, l'envie qu'on a associée à ça est plutôt de travailler où oh, je l'ai mis. Là. De travailler sur ce qu'on appelle la version entreprise de Raven de Aneman, qui est en fait un, un serveur web qui offrait les mêmes fonctionnalités An que Aneman, voire plus, c'est-à-dire différents utilisateurs différents groupes de d'appareils ah oui euh, voilà. qui offre ces mêmes, ces mêmes ces mêmes fonctionnalités que que l'autre mais vient un serveur via un serveur web et donc, il y a aussi avec la possibilité d'avoir euh, juste plusieurs utilisateurs, d'avoir des, des fonctionnalités avancées et, euh, et des fonctionnalités custom. Donc, euh, voilà, donc, on pourrait très bien imaginer, par exemple, qu'il y ait un groupe Lavo, un groupe Merging, et que les utilisateurs de ce groupe ne puissent pas voir les autres groupes. Et on peut même imaginer partager des flux. Donc, ce flux-là qui est un appareil... Voilà. Ce flux-là qui vient d'un appareil du groupe Graveau peut être partagé avec le groupe Merdu. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités qui aussi se rapprochent de, de, des fonctionnalités de domain Manager. C'est cette même séparation de, de niveaux. C'est juste que ça, c'est une approche beaucoup plus interopérable. Où on essaye de trouver encore une fois ce dénominateur commun. Donc il y a très peu de commandes qui sont gérées dans Anemal. C'est euh, je crée un flux, je supprime un flux. Euh, je crée un récepteur, je supprime un récepteur, je change la fréquence d'échantillonnage. Très peu de commandes, mais qui du coup permettent de se concentrer sur comment on intègre le système et comment on remonte, vous voyez là, toutes ces informations euh, du réseau. Donc ici, on a les capacités à être être master donc les différentes en fait, les différentes informations PTP les différentes informations avec les sender et les receivers donc les émetteurs et récepteurs et, et on voit facilement qui est master voilà ça c'est une version qui a été conçue principalement pour les réseaux de taille plus modeste et euh, donc, quand on, quand on est sur des tailles de réseau, euh, typiquement de broadcaster avec 100 200 machines, est, cette interface-là n'est pas forcément la, mieux, euh, la plus adaptée. Voilà. Alors, enfin, euh, last but not least, donc un, autre un autre logiciel que, euh, que j'aime bien, mais euh, je suis biaisé parce que c'est moi qui le code aussi. Euh, donc, c'est ce logiciel MNEMS. Donc, qui est un peu difficile de d'approche de prime abord et je m'en excuse mais on, on se refait pas euh, donc il permet de voir aussi les switches et le réseau dans sa globalité plus avec une une approche encore enfin une fois une approche de topologie et une approche plus réseau que utilisateur en fait Là où Hanneman va faire des connexions audio, là on va plutôt vérifier comment ça se passe au niveau du réseau. Et donc on a par exemple les débits qui se placent ici, le nombre de flux multicast qui passent par port. Je vous ai montré aussi, je l'utilise beaucoup, donc cette capacité à montrer où passent les différents flux. Donc là vous voyez, sur cet appareil-là, c'est les deux ports d'un même appareil qui est double attaché, donc qui est en redondant 2022-7, et qui envoie donc deux flux. En multicast c'est les deux mêmes flux et ils arrivent ici et, euh, et, et voilà ils arrivent au route switch parce que ben, comme euh, configuration multicast oblige même si personne aucun autre appareil n'est en train d'écouter ces flux et bien au moins les flux sont prêts à être distribués par par le route switch voilà donc ça ça nécessite des switches qui sont compatibles donc aujourd'hui ça fonctionne qu'avec des switches Cisco et, et Artel, le switch, le switch PTP que je vous ai montré avant. Euh, et encore les Cisco, c'est principalement la série SG. Euh, oui, tu as raison Thierry aussi. Euh, pourquoi pas les flux multicast denté? Alors euh, je ne sais pas encore comment, comment je vais faire, mais, euh, mais c'est effectivement, ouais, effectivement cette, cette idée-là de d'essayer de suivre en fait un maximum ce qui se passe sur le réseau avec toutes les informations qu'on peut tirer du réseau et, et in fine aussi de pouvoir avoir des montées d'alarme en fait sur, sur, ce qui se passe, sur ce qui se passe sur le réseau. Donc vous voyez qu'il y a une b-box sur le réseau parce que c'est aussi mon réseau, mon réseau privé à la maison. Euh, voilà. Donc maintenant, ce que j'aime. Non, ça fonctionne pas avec le SNMP. Ça fonctionne avec euh, le telnet pour l'instant. Oui, oui, oui. Euh, donc première question. Euh, ça fonctionne avec le SNMP les switch Non. On a essayé le SNMP en fait. J'ai essayé le SNMP et, euh, et ça m'a gonflé. C'est pas que c'est pas possible. Hein. C'est juste que ça m'a gonflé. Donc euh, je le fais par telnet. Euh, c'est forcément euh, classique comme approche mais euh, ça permet de beaucoup plus euh, fonctionner euh, en lien avec les capacités du, du switch en fait donc c'est plus spécifique mais euh, mais ça marche mieux euh, pour ceux qui ont envie de coder ou euh, qui sont curieux et qui veulent euh, rajouter d'autres suites à MNMS c'est du c'est du free software c'est de l'open source donc euh, vous pouvez me contacter je vous donne accès on voit comment on fait et tout c'est très modulaire ça a été vraiment pensé en, de manière collaborative. Pour l'instant, je suis le seul collaborateur, mais euh, j'espère que ça va changer si ça intéresse d'autres. Ensuite, ton Ruby a une redondance sur le même réseau primaire Oui, Lucas. Euh, C'est-à-dire que c'est assez, no, assez aussi euh, peu orthodoxe mon réseau, mais il y a un réseau et il y a la redondance sur ce même réseau. C'est-à-dire que c'est pour moi une, une manière de tester que la redondance n'est pas ne marche pas seulement parce qu'on a une isolation de niveau 2 parce que je pourrais faire de VLAN etc euh, mais ça cacherait certains bugs de certains appareils donc c'est censé fonctionner aussi au niveau 3 euh, donc voilà c'est pour ça que c'est pour ça que je le fais là c'est totalement indépendant hein. ce principe de redondance ST2022-7 ne nécessite pas forcément que les réseaux soient séparés les réseaux peuvent être mélangés euh, il me semble, oui, que pour Dante, les réseaux doivent être séparés. Donc, on va dire que c'est une force de 22 7 ou encore encore une fois, force, mais complication, parce que, évidemment, ça, ça peut poser des problèmes aussi. C'est beaucoup plus simple d'avoir des réseaux séparés pour comprendre et appréhender les réseaux. Euh, voilà. C'est parce que j'ai un certain nombre de suivi sur le site Oui. Oui, oui, alors du coup, Thierry, pour MNMS, moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est pouvoir justement le connecter à un serveur distant et pouvoir avoir sur son, sur son téléphone des alertes en temps réel, ça, ce serait juste génial. Euh, un retour d'expérience avec DCNM de Cisco Ouais, ben, non, j'ai pas... Alors, je crois que j'ai essayé un peu DCNM de Cisco. Là, c'est une approche qui est plus média, quand même. Donc qui tient des informations qui sont plus en lien avec le média. Je, et avec le média temps réel, je ne suis pas sûr que ce soit des fonctionnalités qui soient dans des CNM de Cisco. Euh... Donc il faut voir. Mais Virgile, si, si, si tu as des questions ou des, ou des commentaires pointus là-dessus, alors avec plaisir, je t'invite à rentrer en contact avec moi. Que ce soit clair, j'adore échanger, enfin, je pense que c'était assez clair sur, euh, sur ces modes de présentation. Euh, échanger, avoir des idées, et, euh, et voilà, et puis si, si, si ça n'intéresse pas euh, mon management, et c'est normal, parce que j'ai 50 idées à l'heure, euh, ben ça finit en logiciel libre, et puis c'est tout aussi bien, quoi, donc il euh, n'y a, y a, y a, y a pas de problème là-dessus, c'est plus, encore une fois, l'idée, c'est de motiver le client à prendre des à acheter des produits à passer au réseau pour les bonnes raisons et avec les bons outils et, euh, et encore aujourd'hui on a beaucoup de clients qui ne c'est pas vrai on n'a pas beaucoup de clients mais ça m'arrive deux trois fois d'avoir des clients qui me disent ah oh, c'est chiant aes 67 je repasserai sur Madi et mon premier ma première réaction c'est ben désolé mais oui si vous n'avez pas d'intérêt à passer sur aes 67 autre que parce que c'est fun on fait un boulot quoi. On, est en train de... on, on, on bosse, donc on a une certaine, un certain besoin d'efficacité. De, Et euh, s'il n'est pas apporté par le choix de la technologie, ben, il faut changer de technologie. Voilà. Oui, alors euh, Virgile, nous aussi, euh, ce putain de Covid euh, nous, nous a mis des. Nous a mis un, peu de, un peu de ralentissement sur ce projet, mais il avance bien. Et euh, pour être... Euh, pour être en bonne utilisation de la carte qui va servir à l'NUBI 122-7, elle marche très bien. Donc, euh, il n'y aura pas de souci. Par contre, Aneman, justement, Aneman a encore besoin d'évoluer pour, pour gérer pleinement le 2022-7. Mais c'est quelque chose qui va, qui va arriver dans le, dans le futur. Et, et c'est justement typiquement ce 20, 22 7 qui est qui est très enthousiasmant pour certains utilisateurs et qui va être aussi très compliqué pour d'autres, très compliqué à mettre en place, à comprendre. Et, euh, voilà. et donc, ça nécessite d'autant plus des outils simples de, de mise en place de, de ce réseau-là. Simple d'un côté et puis à la fois euh, étoffé de l'autre pour pouvoir répondre aussi à des besoins euh, de certains utilisateurs qui, euh, ben voilà, qui, qui ont besoin de différents niveaux d'autorisation sur sur le réseau ou de diff, de rappel de preset ou des choses comme ça qui sont intégrées et qu'on aimerait bien pouvoir intégrer avec d'autres constructeurs parce que bah, typiquement direct out on travaille beaucoup avec DirectOut par force des choses et par le choix des clients et donc euh, bah, pour nous c'est plus intéressant d'apporter une réponse et d'ailleurs pour eux aussi hein, euh, d'apporter une réponse intégrée euh, qui permette de bien connecter entre nos appareils plutôt que d'essayer d'enfermer les clients dans un système ou un autre parce que s'il y, y a plusieurs appareils, c'est forcément qu'il y, qu y a différents besoins. Euh, voilà, donc là, tu, tu, euh, Un peu quelques, quelques informations. Alors surtout, donc euh, ça, les, des trucs à lire. En plus, c'est le, le bon moment. Où on cherche peut-être des, des informations à lire. Donc il y a le white paper Dante, qui donne une autre approche d'AOS 67 euh, par rapport à ma présentation. Euh, qui est l'approche lente, qui, euh, qui vaut ce qu'elle vaut, la aussi vaut ce qu'elle vaut, il n'y a, a pas de jugement de valeur, mais qui n'est pas du tout la même évidemment que, que celle que je défends, on va dire. Et puis, euh, et puis pour ceux qui aiment, qui aiment l'histoire, euh, la page Wikipédia sur les protocoles audio, c'est vachement chouette. C'est vachement chouette. Moi je j'ai eu la chance de commencer euh, ma carrière dans le broadcast chez. Euh, chez Digigram, et, euh, et c'est vraiment chouette de voir comment ces, ces protocoles évoluent et comment on passe de, de EtherSound à ES67, en gros, pour grossir le trait. Voilà, donc, quelques, quelques trucs à penser pour vous qui êtes les courageux qui restez jusqu'au bout, parce que ce matin, j'en ai perdu quelques-uns, mais c'est pas grave, il y a le replay, de toute façon. Euh, donc... Quelques questions à se poser quand on commence à installer un, un, un réseau, quand on rajoute un appareil en fait. Donc, des questions à la con, mais euh, c'est des questions que si vous y répondez vous-même, vous, vous gagnerez du temps avec le support client si vous, y arrivez, si vous, si vous arrivez à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'ils ont connecté, est-ce qu'ils ont des appareils, des adresses IP compatibles Est-ce qu'ils sont tous synchronisés sur la même PTP parce que de temps en temps, vous allez avoir plusieurs masters parce qu'ils ne veulent pas se mettre d'accord, etc. Et donc, ça, typiquement, PTP Track va permettre de vous indiquer s'il y a plusieurs masters sur un réseau. Euh, s'il n'y a pas de PTP, est-ce que l'appareil est bien abonné au 224 .01 129 Donc, ça, si on, si on retourne sur le switch. Euh, je vais maintenant, là, j'ai un switch. Voilà. Donc, si on, si on retourne sur le switch avec le multicast, on peut avoir ici les différentes adresses multicast. Et, euh, et en sélectionnant Détails, on voit les ports sur lesquels le switch distribue cette adresse multicast. Donc, là, typiquement, j'ai choisi l'adresse multicast de. Euh, l'adresse multicast de ptp et donc je vois que j'ai quatre ports sur mon switch là qui écoutent qui écoutent le ptp donc ça c'est très intéressant aussi pour voir euh, en termes de en termes de débug réseau pour, se, pour être sûr que ben il reçoit pas le ptp mais est ce qu'il est bien est ce qu'il est bien abonné en igmp à la bonne adresse ptp euh, s'il n'y a pas d'audio pareil vérifiez l'abonnement igmp au flux et vérifier qu'un tiers peut recevoir le flux. Donc ça, c'est cette histoire de VLC. En fait, c'est VLC qui avait foutu mon réseau par terre hier. Yeah. Euh, et ça, c'est à cause de la topologie très spécifique que j'utilise avec un VPN. Donc c'est pas du tout. C est, c est, c est, je vous enjoins à utiliser VLC. Vous, vous ouvrez VLC sur votre sur votre machine et vous vérifiez que vous pouvez recevoir le flux avec VLC. Si vous pouvez recevoir le flux avec VLC, c'est que le flux est sur un réseau. Et que vous avez de 2 dans le flux. Donc, déjà, ça veut dire que le problème est principalement entre le réseau et le récepteur, et il n'est pas au niveau de l'émetteur. Donc, essayez de découper ça par dichotomie pour, euh, pour arriver à, à y arriver. Pas de 2 avec Dante ben, Est-ce que l'adresse multicast est compatible Je vous ai bien montré. Il y a ce multicast préfixe qui, est, qui arrive à chaque fois. À chaque fois, on arrive à se tromper. Et, euh, et à chaque fois que je m'y remets, la première erreur que je fais, c'est celle-là. Et ensuite, le petit, le petit truc sur la petite sur le gâteau, si vous avez plusieurs interfaces sur votre PC, et typiquement ça va être, si vous avez un portable, ça va être Wi-Fi, Ethernet, etc. Et ben, parfois, il se peut que les abonnements multicast partent sur la mauvaise interface. Donc là, vous n'avez pas de flux. Vous n'avez pas de flux parce que les abonnements partent sur la mauvaise interface. Alors, avec avec... Euh, avec Wireshark, typiquement, vous pouvez filtrer les paquets GMP et vous pouvez voir s'ils partent, si les abonnements partent, partent en multicast sur, sur la bonne interface. Ensuite, je vais lire la question de Thierry. Euh... Non, mais je peux t'aider autrement pour remplir multicast. Oui, alors Thierry, t'inquiète Thierry, pas si j'ai euh, si j'ai besoin de toi, je sais que je peux compter sur toi, tu euh, le supporter numéro 1 de MNMS et euh, je compte bien cultiver euh, cultiver cette euh, cet atout donc euh, en termes de perte d'audio du streaming donc vous avez, un, vous avez un réseau il fonctionne bien et d'un coup il fonctionne plus ou d'un coup vous avez une perte d'audio d'audio sur le, sur le sur le sur le réseau donc la première chose c'est vérifier la taille des buffers la taille des buffers euh, parce que de temps en temps en fonction de du nombre d'appareils qui sont, qui sont présents sur le réseau, ben le jitter peut varier. Et donc on peut arriver à un moment où ah, la taille du buffer ne suffit plus parce que le switch a trop à faire, parce que les paquets sont retardés, etc. Donc momentanément, ne serait-ce que, que pour valider ça, augmenter la taille du buffer. Si la taille du buffer fonctionne, en fait, si une très forte taille de buffer fonctionne, mais qu'une taille réduite ne fonctionne pas, c'est que c'est un problème de jitter. Et donc ça, soit vous travaillez avec un buffer plus grand, soit vous, si vous tenez à votre petite taille de buffer, typiquement vous faites du live. Et bien, euh, vous revoyez vos switches ou votre câblerie ou euh, quoi que ce soit. Pareil, vérifier les débits sur les réseaux. Euh, ben, ça avec AMNMS, ça se passe, c'est aussi pour ça que j'ai fait. Pour ça, et puis, ah oui, bah, j ai, j ai, je vous ai montré un peu, mais c'était peut-être pas évident. Et euh, moi, c'est le truc que, que, qui me sauve le plus la vie. Euh, c'est le numéro des ports sur lequel il est branché quoi. C'est-à-dire que quand je fais du debug et que je veux commencer à trouver euh, sur quel port j'avais branché quel appareil, et ben c'est vachement bien d'avoir ici le numéro du port sur lequel l'appareil est branché. Euh, c'est un truc à la con, mais ça, mais ça sauve des vies. Euh, alors ça sauve des vies surtout quand c'est un assistant qui vous a, que vous avez demandé de brancher et qu'au lieu de le trucider vous, vous voyez des, vous voyez directement le bon numéro de port. Mais, euh, mais ça sauve des vies aussi quand on est tout seul parce que euh, parce qu'on est beaucoup plus zen. Et, pour avoir fait un AVC il y a deux ans, euh, l'aspect zen euh, est quelque chose que je cultive en ce moment. Donc euh, ouais, vérifier les débits sur le réseau et surtout le... alors, question de Gaël, fonctionne-t-il avec des switches Aruba, MNMS Non, pas encore. Euh, parce que je n'en ai pas. Et, euh, et parce qu'on ne m'y a pas demandé. Alors euh, eh ben, si, euh, si tu es intéressé par ça, Gaël, pareil, je t'invite à rentrer en contact avec moi et on voit comment on peut faire ça euh, pour, euh, pour voir si ça fonctionne, si ça peut fonctionner vite ou pas vite, ou euh, comment ça peut être fait. Euh, encore une fois, c'est très ouvert et, euh, et moi je vais, je vais conclure bientôt, puisqu'en plus on arrive à la fin. Donc si c'est des problèmes intermittents que vous avez de streaming sur le réseau, c'est-à-dire des pertes de paquets. Euh, toutes les deux minutes, 3 minutes, etc. C'est le timer des switches. En fait, IGMP va utiliser des systèmes de timer pour détecter qu'un appareil est abonné au flux ou pas. Et si euh, vous perdez des flux de manière régulière, c'est que vous avez plusieurs switches et qu'ils n'ont pas des timers qui sont synchrones. En fait, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et euh, ça, on l'a expérimenté, la première quickfest qu'on a fait en 2014. Euh, chacun avait un petit switch sur sa table pour brancher son appareil. Et et ils n'avaient pas les mêmes timers UGMP, et du coup, euh, on, perdait des, on perdait des flux de, régulièrement, toutes les deux minutes, toutes les trois minutes. Et on a mis du temps à corriger ça. Donc ça aussi, c'est cette, cette richesse qu'on construit au fur et à mesure des différentes clocks des différents tests qu'on fait euh, entre constructeurs, qu'on injecte chez le, chez le client euh, pour, euh, pour régler ces problèmes. Parce que, évidemment, nous, en tant que développeurs, d'audio majoritairement on va approcher le réseau d'une manière relativement naïve et nos clients vous ben vous faites parfait vous faites pareil parce que tant que ça marche on est en étant naïf pourquoi pourquoi aller chercher plus loin donc euh, donc c'est cette avance de phase de créer la compétence chez nous qu'on essaye de transférer typiquement avec ces présentations là chez vous donc euh, voilà c'est la fin de la présentation c'est la fin aussi de c'est euh, le jour de présentation. Euh, merci d'être euh, venu, entre guillemets, en tout cas virtuellement. Euh, vous avez compris, c'est quelque chose qui se construit. L'AES67, c'est pas fini. C'est une, euh, une technologie tout à fait euh, tout, qui est relativement récente parce que bon, ça fait 7 ans, mais 7 ans à l'échelle de Godio de et, et des technologies IT, c'est très court. Donc euh, voilà, c'est moi c'est ce genre de dialogue, bon qui, euh, qui par du fait de YouTube est relativement asymétrique, mais c'est ce genre c'est ce genre de dialogue qu'on qu qu essaie de construire et euh, et pour ben, tout simplement pour construire les produits qui sont qui sont les plus à même de répondre à, à vos besoins euh, et de construire les standards aussi puisque je travaille sur les standards aussi de construire les standards qui sont les plus à même aussi de répondre à vos besoins. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi n'importe quand, euh, m'envoyer un email, un sur LinkedIn, euh, sur YouTube, peu importe, vous tapez mon nom sur un sur un navigateur et euh, vous devrez trouver, vous devrez trouver plein de manières de me contacter. Euh, et encore une fois, je parle de moi, mais ça peut être n'importe qui, euh, et euh, du moment que il est, il, il est dans le métier, pour, euh, pour partager vos idées, pour euh, partager euh, vos envies de projet, vos vos frustrations, vos errements. Euh, typiquement, si vous arrivez jusque-là et que vous trouvez toujours que le 67 e merdique et qu'il faut plutôt utiliser Dante, et eh ben, très bien. Mais discutons-en. Moi, j'ai je, je cherché à comprendre pourquoi. Et euh, si vous avez le temps de m'expliquer, eh ben, c'est encore mieux. Enfin, voilà quoi. Euh, important. Euh, c'est important d'échanger là-dessus et d'arriver à, à un réseau qui soit facile à utiliser, qui soit simple. Et, euh, et qui nous permettent de faire des, des choses nouvelles parce que c'est ça le, le truc c'est les nouveaux euh, les nouveaux usages qui vont euh, qui vont en sortir. Donc merci encore euh, d'être euh, d'avoir été présent et puis euh, et puis à bientôt.